Bonjour, donc voilà, Hélène Coudray, donc je viens de Poitiers. Oui. Je suis passée par le BTS Design de mode de Lyon donc avant d'arriver à la Cambre. Oui. Donc la Cambre, j'ai découvert au travers des magazines, comme par exemple Cathy Peel qui avait remporté le festival de hier. Oui. Et donc au lycée, après, j'ai voulu voir les portes ouvertes et enfin, j'ai su que c'était ce genre de création que je voulais faire, ce genre de formation. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter tes pièces? La robe. Une robe qui a priori n'en est pas une, mais c'est quand même une robe. Ouais. Donc à partir de carrés de tulle très fins, presque invisibles, pour qu'au final les rayures forment la robe. Donc on a un effet de flottement, de profondeur. Oui. C'est intéressant, et en gardant quand même quelques côtes de la chemise pour ramener une structure à ce flou qui part en vrille. Et donc la couleur que tu as choisie, c'est un... Le bleu local. Bleu local, un bleu au vert. Pour essayer d'avoir des oppositions assez étranges, surprenantes. On va passer à la deuxième pièce. Ici, le corps en maille. Donc, qui est un des projets avec la veste de motard qu'on a travaillé en parallèle en tout début d'année. Donc on devait trouver une attitude. Donc là je suis partie pour en revenir à ma thématique bleu local, du personnage local, quoi, l'indigène oui. du lieu avec le paysan, sa casquette, son grand nez, sa posture en avant. Après il s'agissait de trouver des techniques personnelles à travers la maille, parce que bien sûr il y a le tricot, le crochet, le macramé. Oui. Donc ici j'essaie d'intégrer des perlages, oui. des plastiques, des imbrications plastiques qui peuvent rappeler une maille, quoi, du fait que ça s'accroche, que ça se déforme. Et un de mes matériaux préférés de cette année, les pailles plastiques, oui. pailles de soda. qui existent en plein de nuances différentes, de bleu, de vert, de transparence. Ouais. Et... Donc c'est la veste de motard. Ouais. On est parti de veste en carton, morcelée sur corps, vraiment une posture du motard. J'ai réalisé en polaire et sky. Ouais. Donc toujours un peu pour avoir le contraste, comme le corps mohair et plastique. Ici c'est le polaire et le sky très brillant. Tu as ajouté une banane. Voilà, une petite pochette banane pour l'attitude. Il faut vraiment avoir le décalage de hanche-bassin qui rappelle un peu la carrosserie de moto. Ouais.